Bonsoir tout le monde, bienvenue à un autre épisode de... On se souvient pas encore c'est quoi le titre, c'est comme une espèce de podcast, vous avez la chance de connaître un peu plus c'est quoi les coulisses des newbies, et on parle surtout de l'épisode qui s'en vient, donc l'épisode 11. Vous savez qu'à chaque semaine, on a toujours un invité, et cette semaine, notre invité, c'est nul autre que Yves P. Pelletier. Et si les gens nous écoutent de semaine en semaine, on est rendu à l'épisode 11 cette semaine. Et si les gens veulent écouter tout le reste de la série, vous pouvez toujours le faire si vous allez sur le site internet tv5uni.ca. Sinon, ben, le rendez-vous est mercredi, ce mercredi à 22h heure atlantique ou 21h pour les gens qui nous écoutent du Québec. Donc, pour ce podcast de cette semaine, l'épisode 11, j'ai toujours évidemment mes invités, mes collègues. C'est Luc Leblanc. Allô, Luc! C'est une treadmill! Une chance, tu nous dis c'est quoi, parce que je ne suis pas sûr qu'on aurait compris c'est un treadmill. Ah non, mais je l'ai vu dans les derniers épisodes, puis c'est le temps que je perds du poids, là. On va aller voir celui qui est... lui, c'est une obsession, son corps, puis la mise en forme. Christian Etienne, que tu avais... Ah bon, Christian est pas là. Bonsoir! Bonsoir à tout le monde! Bonsoir! Non mais, les nouvelles entrées, on essaye. À chaque semaine, on se disait qu'on faisait « Hey, je commençais! » Fait qu'André a eu une bonne idée cette semaine, il dit « Je vais essayer de quoi de nouveau? » Il a décidé de commencer tout seul. Ouais, tout seul! Il nous avait pas avorté, fait que je suis pas sûr du concept. Une bonne idée, les gars! De quoi de mieux que nous trois qui commencent? Comment c'est commencé? Je vais commencer tout seul. Ouais. Mais il a bien fait. Il a bien fait ça. Oui, c'est pas, j'étais une treadmill, mais il était bon. Surtout qu'il a pratiqué ce qu'on lui a dit de faire. Là. Oui, oui. De garder la caméra, parce qu'il faut le dire, tout le monde, on a fait un sim la semaine passée, puis André a accueilli tout le monde de l'île du Prince-Édouard et dessus le web. Bonsoir tout le monde, nous sommes très heureux de vous accueillir. Mais non, mais regarde, je regardais parce qu'on est au Nouveau-Brunswick, puis à côté, c'est l'île du Prince-Édouard. Je regardais le bord du pont, tu comprends? C'est quoi ton excuse pour tous les autres épisodes des Newbies qu'on a fait ensemble? J'attendais que l'île du Prince-Édouard nous invite, tu vois, c'est ça, puis on faisait un coucou. Ils ont finalement compris, puis là, je regarde au centre. Peut-être les gens de l'Ontario vont nous appeler ou les gens du Québec, là, un ou l'autre. Là. On fait toujours un tour de table avant de présenter notre invité de la semaine. Oui, la semaine passée, notre entretien quotidien était remplacé par un spectacle d'impro modifié. Merci vraiment à tout le monde qui a participé. Là. Près de 5000 visionnements qu'on a eu. Il y avait 3000 personnes qui regardaient live et on a à peu près, je pense, le dernier décompte, c'était tout près de 2000 personnes qui nous écrivaient, qui nous donnaient des commentaires, des suggestions. Ça fait que oui, mes yeux allaient d'un bord puis de l'autre parce que j'essayais d'alimenter en même temps. Puis là, j'ai trouvé... Ce qui est triste avec ça, c'est que à ce tour, on ne peut plus jamais refaire le spectacle qu'on faisait à croire à tout le monde que c'était de l'impro. Mais les gens ne le peuvent plus le voir parce qu'il est retiré sur le web maintenant. Fait qu'il est plus là. Fait que... Pfiouf! Fait que... les anyway, là, c'est tout écrit. Là. C'est tout écrit notre affaire. On a des messages. C'était vraiment ça votre meilleur. OK. J'aimerais savoir ce que vous avez fait au cours de la dernière semaine. Si on commence avec toi, Luc, des choses palpitantes qui s'est passées, autre que de cette réflexion de vouloir te remettre en forme. Acheter une Mustang décapotable. Non, je ne crois pas. Oui. Hein? Bien, là. Ah! Pour vrai, là! 1990. Je ne crois pas, man. Je veux dire, c'était bien pour monde quand ils l'ont fait. Je te crois, bien pour monde. Il m'a dit, oui, je peux, go mon bon temps. Je te crois pas. J'ai des chansons encore, je m'excuse. Attends, je veux dire à tout le monde qui connaît pas Luc, que Luc change de char comme qu'il garde. Luc, c'est le gars, là, que je sais pas si on l'a déjà dit au podcast, mais qui avait un skidoo à Dieppe, parké dans son garage, puis il savait pas quoi faire avec, puis qu'il avait deux bateaux, puis qu'il a échangé un de son bateau pour une moto. Une Harley Davidson, mais il n'y a pas de permis de moto. Puis Luc avait une Mustang dans la première saison des Newbies. Oui. Quand ça arrivait le temps de la deuxième saison des Newbies, il avait vendu ça, oui. Ça avait acheté une Mini ou échangé pour une RAV4, une autre affaire. Il y avait eu toutes les chars, panoplies de chars. Fait qu'on était obligé de louer une Mustang. Puis là, tu t'as racheté une Mustang. C'est sûr qu'on va avoir des commentaires de René, notre producteur. Ouais. Non, mais c'est que OK, j'espère. C'est... J'arrête pas d'avoir des appels de Michel Barrette. On se fait des petites compétitions, moi, puis lui. Là. Qu'est-ce qu'il y a de plus de chars? Non, mais t'as pas de bon sens, là. Fait que là, t'as de nouveau trois chars. T'as ton truck. T'as ta petite Mini, puis t'as Mustang. Attends, moi, j'ai jamais vu ta Mini. La Mini vient de l'avoir. Il est venu l'autre fois avec moi, ça m'a fait rire à tabarouette. Il a allé avec son truck. Il y a un truck. Là, il peut aller avec deux chars à ce tour. Attends. Oui, mais vous n'avez pas comme un CRV ou quelque chose de même aussi? Ça, c'est à ma femme.
Ce qui me fait le plus rire, là, c'est quand j'appelle Luc, tu FaceTime, puis là, il répond en drivant comme vraiment slow. Là, je fais, qu'est-ce que tu fais, Joe? Là, il me montre juste, il est dans le stationnement du concessionnaire de voiture. Si tu viens, tu peux pas t'acheter un char. C'est comme une maladie, hein, man? Oh, oui. Non, mais là, je suis en train de choper à ce. Tu sais, comme il y a beaucoup de monde qui chope pour des chars. Moi, je chope pour des garages pour mettre mes chars dedans. Non, mais sérieusement, c'est-tu comme une condition, ça existe-tu, tu sais, de vouloir acheter des chars? Oui. J'ai pas eu la charitude. la potomobile. Bon, toi, André, qu'est-ce que t'as fait? Ben, moi, il y a eu des choses palpitantes qui s'est passé dans ma vie. Faut que je vous dise qu'est-ce qui m'est arrivé. mon chum André m'a appelé pour que j'aille monter son net de basket demain. Ça, c'est cool. Là. C'est ça que tu racontais, hein? Non, même pas. Même pas. Okay. Ce qui est le pire, c'est que... Le pire, c'est que t'as dit, ben, toi et tout Luc, tu peux venir si tu veux. Non, mais je sais que toi, le basketball, c'est pas quelque chose. T'es pas dans le thread de 12 personnes dans le message texte qui a invité. J'ai pas checké, il y avait trop de monde. T'es pas dedans. Probablement le premier qui a fini Last Dance. Fait que, je sais pas pourquoi. Si tu vois du basket, tu peux jouer. Ouais. T'es pas dedans. 2, 3, 3. Oh, je peux pas dire ce nom-là. Non, les 8 personnes qui nous écoutent pour avoir ce numéro-là. toutes mes anciens. C'est toute notre équipe de basketball de PRP là, que j'ai invité là, demain. Bon, on va voir si on peut revenir encore en force. Ça sera notre première. Oui, t'as invité Christian. Moi, quand je pense basket, Christian. Christian puis trois gars de la MEC, son équipe secondaire. Ouais. Non, Max doit être là, Philippe, Fred, maman, Mario Bellavance. Maman, on les connaît pas, maman. Là, c'est un inside, mais il faut le compter parce que la mère Luc, quand ce qu'elle appelle, elle dit hey, tu sais, Carole, elle file pas même. Là, Luc, comme, je sais pas c'est qui, maman, Carole. Ça, c'est les meilleurs de par chez nous. Hey, en tout cas, Homer approche par à Timon et Moore. Je connais aucun des trois, mais si je connaissais un des trois, je serais comme ah, le petit-fils à Timon. Ah. Oh. Ah. Hey, pensez-nous, il y a des Timons, là. Mais non, pas lui. Timon! Tu sais qu'avoir arrêté de travailler au pays de la Sagouine, ça a mis une marque sur moi pour la vie. Moi, c'est tout le temps que ça a fait ça. Antonin est dans pour la vie, man, tu le sais. Ouais. Ce qui m'est arrivé, ce que je vais vous partager. Hey, je t'ai invité de la semaine, Yves, Pépé-Bétier! Il arrive, attendez! Toutes les invités qu'on parle le plus longtemps, c'est Yves Pépé-Bétier. Ouais, ouais, ouais. Oui, Matt! Oui, c'est le gars d'RBO. J'arrive, là. Je voulais juste vous raconter qu'est-ce qui m'est arrivé. Il y a quelqu'un, apparemment, sur Internet. Ouais, faut que je traîne. Tu parles de mon corps, faut que je traîne. Eh, vas-y, André, je t'écoute. Non, là, son frère. Oh my God, je vous le conterai. Je vous le conterai. Vas-y. Conte-nous-le, Kim. Hey, on a le temps à masse. C'est on veut savoir, André. Bon. J'ai plein de commentaires. Ah non, c'est vrai, c'est toi qui gères ça. Bonsoir tout le monde. Comment ça va? Après, je t'ai lu, Lille, je dois. Fait que t'as rencontré quelqu'un sur l'Internet. Non, pas moi. Il y a quelqu'un qui m'a rencontré, mais c'est pas moi. Il y a un site, là, pour pas le nommer, un site de rencontre. Okay. Arrête de crier dans le petit micro, André. OK. T'as été sur Tinder. Non. Il y a quelqu'un qui est sur un site de rencontre qui a pris ma face, puis il se fait passer pour moi, puis après de trouver une fille tout de suite. Puis non, c'est... Je m'ai fait pogner. Puis cette fille-là, je parlais à mon beau-frère, qui lui est célibataire, puis elle dit toi, t'es célibataire, mais ton beau-frère, me semble, il n'est pas en couple. Il n'y a pas comme genre des enfants, puis toute la patente. Oh. Puis lui, il était comme oui. Fait là, il m'appelle hier pour me demander, genre, ça va-tu bien en couple? C'est quelque chose que tu voudrais me dire? Ton comme, chum, ton chum. Non, bon, Sam, mon beau-frère. OK, excuse. Sam m'a appelé. C'est pour ça que j'ai pas nommé. Non, j'essayais juste d'être plus général pour que les gens comprennent. Bon. Ouais. Fait que mon beau-frère m'appelle pour me dire, pour me demander en fait si ça va bien avec sa sœur, parce qu'il il dit, tu sais, c'est correct, là. Il dit, on est des amis avant tout. C'est vrai, on se connaissait, moi, puis
mon beau-frère, très, très longtemps passé, on a travaillé ensemble, puis il dit, tu sais, s'il y a quelque chose, c'est le goût d'explorer, c'est le goût de même parler, ou si ça va non, pas non, bien, je comprends. Pas qu'il t'a dit ça, il t'a pas dit ça. Jure et craché, tu pourras lui demander demain, il va venir me donner un coup de main, supposé. Pour, oui, de ton équipe de basketball de la PAP, là, c'est la oui, façon, ben oui. T'as invité un tout, Luc. T'as invité, mais si tu venis, c'est juste mon équipe de basketball du secondaire. Non, mais si tu passes par là, si en deux épisodes des Newbies que t'as pas fini d'écouter, bien. Hey, non, mais. Sérieusement, qu'est-ce qui se passe? Fait que là, moi, je suis tout comme, oh my, et là, il me parle de ça, puis là, j'ai dit, je pense, j'avais un compte, justement, en 2007, là, qu'un de mes chums m'avait demandé d'ouvrir, tout ça, parce que c'était la grosse mode dans ce temps-là. Puis, il y avait d'autres sites de rencontres autres que Tinder dans ce temps-là. Puis, en tout cas, tu sais, j'ai jamais été sur ce site-là, puis je suis comme, c'est-tu ce site-là? Fait que là, j'ai essayé de retrouver mon mot de passe, j'ai été. Mais là, c'est vraiment quelqu'un qui a, excusez-moi le terme anglais, qui a hacké un compte, mais qui a créé un autre compte, parce que moi, sur ce compte-là que j'ai trouvé, qui est ma photo de deux bonheurs Rogers, de ma photo de casting, j'ai un peu de cheveux dans ce temps-là, tu sais, ça fait longtemps. Puis, j'ai pas de message. Fait qu'il y a pas de communication avec d'autres filles. J'ai aucune idée. Fait que c'est vraiment quelqu'un. Puis c'est ça qui est comme bizarre. Tu sais, parce que pour moi, il a décidé, comme, mettons, s'il écoute les Newbies, de nous trois, il a décidé de prendre ma face, autre que vous deux. Puis il a décidé de faire passer pour moi. Puis là, la fille est comme vraiment intéressée. C'est toi qui a demandé à mon beau-frère. Elle est comme, nous, on est supposés de se rencontrer. Puis, tu sais, moi, j'ai comme, hey. Oui, mais quand ça arrive, elle, à faire un hostie de saut quand ce qu'elle arrive. Puis le gars, il est plus beau que toi. C'est comme, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait comme, ah, ben, c'est pas André Roy, mais. Mais. C'est Martin Matt. Oh, ça va! Non, mais je veux dire, comme, c'est donc weird, ce genre de hacking-là. Ouais. En tout cas, soit ça, ou je vais te dire, moi, la franche vérité, je pense que t'es plein de marde, puis tu t'as fait de pogner, puis tu essaies de faire croire à tout le monde qu'il y a quelqu'un qui a hacké ton patent. C'est ça. Hey, mais si tu vas parler autre que sur l'internet, ouais. Tu peux m'appeler après, là. Non, moi et tout. Je veux dire, t'es pas obligé de compter des mentries, parce que moi aussi, je me fais tout le temps hacker mes comptes Tinder. Tout le temps. Chaque fois, j'arrive à quelque part, je suis pogné avec une fille, je dis à ma blonde. Mais compte Tinder, me fait hacker. Ah oui. Moi, je vais en créer un juste pour. En créant avec mon nom pour. Bon. J'avais dit à ma blonde, j'allais finir de bonne heure à soir. excusez. Hey, vu que André a eu une bonne histoire pour la première fois dans 22 ans, on va l'écouter. Ben, c'est ça, je me disais. Je me dis, bon, ben, me laisser parler. Fait que, on va. On fait-tu la minute qu'on avait prévue avec Yves Pépin? Bon, OK, je vais aller le voir. Il est en attente, là. Fait que je le vois qu'il est là. Fait que, on va aller lui saluer. Fait que, on va aller dire bonjour à. On va aller lui saluer. Ben, on va aller. Hey! Ah, il a gelé. Je pense qu'il a gelé. Ah, non, il est là. OK, allez! Comment ça va? Ça. Ah, oh, non. Et? Oh, c'est Sylvain Ward. Allô? Ben, voyons. Mais on va continuer à jaser, moi. Comment tu André? Attends. Il arrive d'une tournée à la tuque. Attendez, là. Oui, attends, je vais juste. Bon, ben, oui, OK. OK. Prochain sujet. OK, OK. Attends une minute. As-tu le fanal, Yves, on voit avec la brique? attendez, là. On a fait des tests, là. Là, je me suis fait avoir. Oui, André nous a dit ça avant l'émission. Il dit, hey, vous allez être contents, les gars. Oh. Aujourd'hui, j'ai tout fait des tests après-midi pour garder la surprise qu'on voit Yves tous ensemble la première fois. OK, attends. Là, je pense que ça va marcher, là, parce que Yves est A négatif. je viens d'y envoyer un texte. Là. Il a fait un test de ça? Les autres tests. Okay, attendez. C'est sûr qu'il n'a pas testé son micro, ses écouteurs. Il a fait un autre ordre de test. Hey, moi, n'importe quand, je peux retourner training, Joe. Non, attends, ça va marcher, là. Hey, je peux pas croire, là. Ça nous a jamais arrivé. Attends une minute, là. Ben oui, ça nous arrive avec Sylvain Ward. C'était pas job, là. Ouais, ça, c'est vrai. Attendez, là. Bon. Si, c'est drôle. OK. Hein. Oui. Non. Qu'est-ce qu'il fait? Oh, mon Dieu,
Un sketch. L'entends, on dirait. Attends, je comprends pas, là. Je comprends pas, là, ça marche pas, là. Je sais pas qu'est-ce qui se passe, là. Voyons. Là, il gèle. Yeah. Il est gelé, ben, raide. Non, mais André, c'est parce que. Oh, regarde là, il va apparaître. Hey, moi, il a agi de mon frigidaire. Il a l'île du prince Edouard, man. Hey, deux semaines de break, ça nous fait pas. Les boys, on était contents de savoir, on sait plus comment ça marche. Oh my god. Mec, il apparaît finalement, puis ça marche. J'aimerais ça qu'on prenne une minute de silence. Hey, montre-nous ton montre-nous ta Mustang en attendant. Une minute. Ah, tôt, attendez, moi, si ça intéresse les gens, mes plants de tomates ont repris vie. Hey, by the way, j'ai vraiment beaucoup de plants de tomates à donner. Là. S'il y a du monde venu chez eux, ils sont vraiment fucking en forme. Textez-moi. Ah oui, ils avaient toutes perdues. Moi, je parlais de faire une joke, l'autre jour. Ben, je suis. Ok, il avait revenu, tu veux dire? Ah oui, non, il était tout frais, tout mort. Puis là, d'un coup, j'en ai pris soin, je me suis occupé des autres, je les ai séparés, distanciation sociale. Wow, j'ai imagine, tous les enfants. Imagine, tu faisais la même chose avec tes enfants, comment ils seraient morts? Oui, dis ça, André. Distension sociale, demain. Hey, man! Hey, 12 personnes, viens ici! On touche tout le ballon de basketball. Ma blonde est comme, le monde pense que c'est free for all tout d'un coup. Là. C'est comme genre, on peut voir famille, amis. Mais quand t'as 27 amis qui ont 27 amis, c'est tous tes amis, fait que là, tu fais une petite grosse game de basket, tu sues sur le ballon. Ah ouais, voilà. Oh. Ah, ça me fait rire, ça. Le monde, c'est free for all. Tout le monde me textait, OK, party en fin de semaine, on va à la plage. Là, c'est comme, t'as-tu vu en. On est encore live? Ben oui. Tu finis ou? Ah non, t'écoutes là. On vient de se parler là. Je pense que ça va marcher là. Attendez là. Il faut que nous autres, on peut pas te parler. Hey, ça chie ton affaire, man. Ben, attendez. As-tu vu Luc en Floride, le monde? C'est le Memorial Weekend. Ah, tu t'as acheté ça, Michel. Oh my god. Hey, tu pourrais faire une émission d'aller te promener dans tes chars, Luc, faire des entrevues dans tes chars et dire au monde, dépêche-toi de débarquer, faut que j'aille le vendre, en acheter un autre. Ah oui, c'est ça que j'ai là. Hey, c'est vraiment cool. On dirait que je te crois pas. Tu l'as-tu dans ta cour? Non, il est encore au garage. Je le mets pas au soleil, là. C'est comme un autre. Moi et tout, il était magané, puis là. Hey, je l'ai pris soin, puis il a repris. Qu'est-ce qu'on fait, André? Quand je disais, là, en Floride, le monde sont sur le party ben raide. C'est Memorial. Des mille puis des mille de personnes sur la plage. Ils s'en foutent ben raide. Ils s'en foutent des chiens. Ah, mon Dieu. As-tu vu le gars qui a fait une vidéo sur. Il a tout pogné. Ben, pas tout pogné, mais il a pogné du monde qui était contre le COVID, là. Qui arrivait à une place, puis il toussait pour faire exprès. Il disait, c'est mon droit de ne pas mettre de masque. Puis tout ça, là. Ah non. Ça a été quelque chose. Hé, hey, non, mais. Si Yves Pire, regarde, appelle figurant numéro 4. C'est pas mon père, ça. Hey, mon père m'a fait un brisket en fin de semaine. C'est bon. OK. Là, j'ai. Hey, en spécial au Sobeige, jusqu'à jeudi, s'il y a du monde qui veut y aller, j'ai 4$ off la livre. Fait qu'un morceau de viande de 150$, c'est comme 40$. T'arrêtes de me dire, envoyez tout le monde au Costco, moi. En vrai, t'es pour moi aujourd'hui. Ça doit être pour ça qu'il ne marche pas. Attends, mais... vitesse. Je l'ai, là. Je le vois, en tout cas. Je sais pas. Ah, si... yeah! Bon. Hey, au pire, on peut dire bye au monde, puis dire... Ben oui. Ça a pas de bon sens, c'est ça? Hey, ça, c'est le meilleur! Le meilleur! Hey, là, on va aller buy a Rolex, c'est ça? Oh non! Qu'est-ce qu'il fait? Hey, André rit. Oh, on n'entend rien, man! On n'entend rien, André! Hey, voulez-vous me faire faire du. Ah, c'est seul, là, j'ai fait du treadmill, maintenant.
C'est au fond de la 90 sur le temps, peut-être. Hey, non, mais là, ça va pas bon sens. On laisse faire ça. Hey, mal au moment. Il faut que les abdos à soir. C'est la fois qu'on a eu plus de monde qui écoute parce que. Parce que c'est Yves Pelletier. C'est Yves Pelletier. Comment je peux en rire? Il est en tournée, oui, il est chez eux. Il n'est pas en tournée, il n'est pas de show, il est chez eux, quoi. Il a refusé, tout le monde en parle pour être avec nous autres. Non, ben, fuck it. Quand tu chies, t'es chez moi. T'as t'as m'occupé de main. Fuck it. Ça marche pas, André, ou? André, peux-tu arrêter ta. Hey, je sais que tout le temps, je suis en train de manger du gâteau. Ceux qui ne savent pas, là, maman. Quand André mange du gâteau, il fait ça. Il fait. Denis, ben pourquoi je suis encore tout seul? Il te manque la truc, Joe. Dès qu'on joue à fait moins décembre. Hey, y'a-tu ce truc du upcap? J'aurais pas par heure. André, change ton rire. Je vais te donner un conseil. Là. Le rire, c'est pas un bon rire. C'est parce qu'il manque tout le rire avant la fin. Parce que c'est quand tu finis le rire. C'est comme ça. Non, je croyais que c'était... Fini avec ça, mais là, tu juste les... il fait un con. Je croyais que c'était un sketch, moi. Change de lettre. Change de lettre, André. OK. Qu'est-ce qu'on fait? On abandonne la colère. Comment t'écris-tu pour te dire que c'est de la merde? Le monde nous écrit toutes sortes d'affaires. Là. J'avais d'écrire moi-même là, pour dire hey, ça suffit. On essaie de comprendre. Là. Je vois qu'il y a face, sa face c'est tout le temps là. C'est ça qui arrive. J'essaie de régler. Je suis vraiment désolé, tout le monde. Je le vois qui est là. Regardez, là, je vais l'apparaître encore. Je le vois. Je vais l'apparaître. Non, mais je vais... rien dans les mains. Hey, regardez-moi. Hey, je vais l'apparaître. Ce que je veux dire, c'est que moi, c'est moi qui ai la table de montage, fait que je le vois partout, fait que j'y vois sa face. Fait que c'est ça que je veux dire par le faire apparaître à l'écran. Donc, moi, je le vois tout de suite, il attend, là, il a l'air pas content, il a mis une base en tabac. Il va faire apparaître son son avec ça. Ben, c'est ça que j'essaie de faire, Christian, j'essaie. Non, mais on pourrait poser des questions juste oui et non. OK, attendez, une autre dernière fois, là, puis on verra si ça marche ou pas. Sinon, regarde, on oublie ça, là. On est déjà encore live? Mais finalement, on va laisser faire ça, apparemment. c'est comique, parce que là, tu vois, il y a du monde qui nous disait qu'il l'entendait un peu, par contre, mais là, vous autres, vous disiez qu'on ne l'entendait pas partout. Moi, c'est ça, j'essaie un de montrer. Un petit peu, on l'entendait un peu. On ne comprenait rien, on l'entendait, ouais. Ben là, moi, je ne sais pas si c'est parce que je ne comprenais pas ou si c'était juste l'accent. Il ne vient pas de Paris-Cite, là. Ben... Louise! Non, Louise entend un peu. Oui, c'est ça. Il y a du monde qui disent qu'il... En tout cas, il a dit que ça ne fonctionne pas au Québec. Je ne sais pas. Mais il y a du monde qui rit nous autres, là, mais... Ouf, je ris, oui, ça, c'est sûr. Ouais, bonne nuit. Puis, t'as raison, tu vois, c'est meilleur à date, selon certaines personnes. Là, ben, quand... regardez, si le monde dit pour le son, là, je vais juste texter à Yves s'il voudrait juste que nous autres, on parle pas, puis ce serait juste lui qui parle, OK? On peut-tu juste essayer ça, là? Je vais aider. Hey, mais Christian, je suis mute. Ça arrive pas, là. Sérieusement, Christian va parler. Ben, c'est ça, je vais le baisser. Je vais nous baisser, puis je vais juste laisser lui s'il peut nous parler, OK? Fait que nous autres, on peut entendre même si on est en bas, dans la table de montage, là. Fait que. Gagne-tu des points au fond des médias aujourd'hui, ou? Comment ça? Ben, je ne sais pas, n'importe quoi. Il n'arrête pas de dire c'est moi qui est au montage. Un autre petit morceau de dessert, André. Non.
OK. OK. On essaie la dernière fois. Je vais baisser un à la fois. Fait qu'on verra bien ce que ça donne. Tu dis, il faut que je baisse Luc. Luc, tu dis, il faut que je baisse Christian pour commencer. Là, fait que Christian, reste là. Bouge pas. On va juste essayer quelque chose. On va voir si je fais. J'ai coupé Christian. Il y en a pour parler. Puis je l'ai coupé. J'ai dit, garde, on prendra pas de chance. Là, fait que. C'est comique, ça, c'est vrai. Oui, oui. C'est vraiment comique. OK. Fini les jokes. Bon, à écouter, je ne pouvais pas être là ce soir live. C'est pour ça que j'ai pensé faire un petit sketch avec la complicité d'André. Alors, j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Vous prenez ce que vous voulez dans ce que je vous ai envoyé comme matériel. Allez, merci infiniment pour l'invitation. Puis, merci aussi pour le beau tournage. Là. Sans niaiser, moi, au moment où on a tourné ça l'automne dernier, ça a été un moment vraiment magique et merveilleux. Je terminais ma tournée de spectacle à Montréal. C'était mon dernier show. Et le producteur René est venu me chercher pour vrai à la fin du show. En fait, le trajet de nuit jusqu'à Moncton, il n'y avait pas d'avion qui était disponible à cette heure-là. Il fallait que je sois sur le plateau le lendemain matin. Une de mes premières scènes, c'est que j'ai eu à donner des baffes à Luc. Hein, que comment bien débuter une journée? Comment faire connaissance avec quelqu'un? Pif, paf, pouf! Non. Donc, ça a été merveilleux. Ça a été super le fun. Rappelez-moi n'importe quand. Voilà. Aïe, un gros, gros arigato gozaimasu à la famille Takatsuka. Takatsu. En tout cas, toute la petite famille qui a collaboré à l'émission. Alors, je vous embrasse. Bon épisode! Bon visionnement d'épisode! Et à la prochaine! C'est bon à temps, Marouette. Je n'étais pas là! Il ne pouvait pas être là. Il ne pouvait pas être là, ça fait qu'on a décidé de monter un petit coup en préparant des capsules. Il y en avait plusieurs capsules qu'il a faites, on a pigé. À ce temps qu'on sait que c'était un coup monté, je voudrais juste qu'on en regarde une de ces capsules que j'ai pas eu la chance de faire passer parce qu'évidemment, c'était trop chaotique, on était trop... Tu le pesais à chaque fois, quoi. Ouais, c'est... Il en a préparé plusieurs capsules, puis j'essayais de faire un petit montage. Il n'y avait jamais de son, il a fait ça, pas de son. Il y en a qui a fait pas de son, il y en a qui a fait avec son aussi. Mais c'est ça. Tu as choisi tout ça de pas de son. Je veux juste vous montrer celle-là. Non, en réalité, ce que j'apprends, c'est quand on est tous en même temps en train de parler, le son provient de mon ordinateur. Fait que c'est évident que mon son doit générer. Je vais vous épargner les problèmes techniques, là, parce que on vient de faire le test la première fois. Là. C'est que, mais je voudrais juste qu'on écoute un autre des capsules de Yves Pépétier qui nous a fait, qui était tellement généreux d'embarquer dans cette aventure-là. Faut dire. Je suis un malais. Hey, moi, j'aurais pas dû y texter l'après-midi. Hey, j'ai dit à soir, je savais qu'elle allait pas être là. Ah, OK, OK. Tu l'as texté l'après-midi? Ben oui. Qu'est-ce qu'il t'a répondu? Je pourrais pas être là, oh, tu sais, là. Non, il a pas dit ça. Parce qu'il savait pas. Non, il savait pas. Il savait pas parce que j'ai dit que ça va être un coup. Il dit, tu réussiras jamais. Fait que, en tout cas. Il savait pas. Non, il savait pas, Luc. T'as pas vu comment il m'a. Bon, fait que là, on le fait de nouveau. Je vais juste vous montrer la capsule que je vais vous montrer. Ça, je vais juste vous taire, les gars. Ça fait que, Luc, la même chose. Puis voici donc une des petites capsules que notre ami avait préparées pour essayer de jouer le tour le plus longtemps possible. Ça fait qu'il y a quand même, on a quand même réussi, moi, je dirais. C'était un peu difficile, mais voici. De nuit parce qu'il n'y avait pas d'avion, pour se rendre et le tournage était le tournage le lendemain matin. Hein? Alors moi j'ai dormi dans le truck hein? Et je suis arrivé avec les newbies. Lui, le coco, les barnets. Ça a été tout un tournage. Moi je n'étais pas allé à Moncton depuis 1991.
Ouh! Hey, j'ai vécu des expériences incroyables à Moncton. J'ai fait du. Dans un char, j'ai monté une côte magnétique. J'ai escaladé un homard géant à Chediac. J'ai escaladé Edith Butler pour la peigner. Non, non. J'ai toutes sortes d'aventures au Nouveau-Brunswick. RBO, on a failli être excommunié quand on a fait un show en 91 à la région de Chipagan. Alors, pour moi, c'était tout un plaisir de me retrouver dans ce lieu mythique où j'avais vécu tant d'aventures. Et avec une bande de gars, vous autres, là, je ne sais pas si vous m'entendez, là, mais vraiment, j'ai trippé. Là. Vous êtes vraiment des gars adorables, comiques, talentueux. Aussi, il y avait des tas de gens sur l'équipe de tournage. Ça, c'est une équipe du Nouveau-Brunswick avec des gens aussi du Québec. Et parmi les gens du Québec, il y a des gens avec qui j'ai travaillé, même des gens avec qui je suis allé à l'école, au cégep. Alors, parmi ces vieux amis-là, je me suis fait des nouveaux amis. Oui, les newbies. Robert, Stéphane, puis le Coco. Je vous aime. Vous êtes inoubliables. Regardez. Tu n'avais pas mis sur mute, hein? T'entendais moi à m'y respirer pendant ça. C'est ça qu'il expliquait. C'est que le micro passe par l'ordinateur dans son micro. Fait que le speaker est bien plus loin que sa propre bouche. Fait qu'on t'entendait. C'était comme quand t'as pas ouais, j'aurais aimé ça y parler, par exemple. Mais bon, whatever. Quand j'ai texté après-midi, mais sérieux, l'anecdote que le producteur était le chercher après son spectacle à Montréal. Mais non, mais tu sais, on est tous des comédiens, des humoristes. C'est quand c'est notre dernière. Tu sais, t'as le goût de faire le party avec toute ton équipe. Puis lui, il a manqué son party de dernière parce que c'était sa dernière de tournée. Puis il n'y avait pas d'avion à l'heure qu'il finissait. Puis il fallait qu'il arrivait à Moncton, tu sais, à temps pour 7 heures. Le lendemain matin, là. Fait que René était là aux applaudissements. Il a fait son salut. Il l'a ramassé. Ils l'ont mis dans la van. Pas choisi de dire ça, mais ils l'ont installé un lit. Ils l'ont fait apparaître. Ramassé, mis dans la van. Ta-da! Ouais, ils ont mis un lit bien attaché, sécuritaire. C'est ça. Puis là, ils ont descendu, ils sont arrivés à temps. Puis, on peut le mentionner, là, pour les gens qui ont déjà vu l'épisode, vous allez voir, il y a une scène qui est en voiture. Puis, pour les gens qui ne savent pas, ben, il n'y a pas de permis de conduire, Yves Pépétier. Fait que ça prenait une doublure pour juste faire la petite scène de conduire la voiture. Ah, oui, parce qu'à Montréal, les gens, il y en a beaucoup qui n'ont pas besoin de permis de conduire. Mais tu sais, malgré tout ça, tu sais, là, on est vraiment dans le concret. Mais on peut en parler, Christian, au début de tout, quand on a pensé à lui, on a dit, c'est sûr qu'il va dire non, mais notre producteur délégué, François Reed, pardon, avait étudié en communication avec lui. C'est de ça qu'il parlait, là. Fait qu'il se connaissait. Il dit, ben, je vais m'essayer. On a resté en contact. Puis là, il a dit, ben, je vais regarder les épisodes. Il a regardé les Newbies saison 1. Il avait aimé ça. Quand il a regardé le texte, il trouvait ça bon. Puis c'est comme ça qu'il a dit oui. Fait que, tu sais, c'était vraiment... Il avait déjà parlé de toi parce qu'elle avait été sur Tinder et elle t'avait vu. C'est ça. Il était fucking. Puis moi, on a eu sur le plateau qu'il y avait des groupies. Là, comme des, on était tous un petit peu Star Trek, c'est quand même RBO. Puis il y a eu beaucoup de monde comme qui passait quand on tournait à place 504 en dessous. Là, dans cette oui. Il fallait imiter Montréal un petit peu. Ça fait qu'on essayait de trouver des spots où on ne voyait pas trop Moncton. Puis il y a plein d'amis à moi qui étaient comme, vous avez eu Yves Pépeltier. Puis là, genre, t'es comme, ben, il est là. Tu sais, je veux dire, tout le monde checkait. Puis là, je le présentais à des amis. Puis c'était vraiment trippant d'avoir une star, pareil. Mais c'est l'affaire qu'il était super cool. Ça, c'est le fun. Ouais. Tu sais, comme on aurait pu. Toutes les invités qu'on a eues d'ailleurs, là, les stars là, de Montréal, ont toutes été incroyables. Comme ça a été vraiment le fun. Tu sais, même quand on était à Montréal, puis c'était Valérie Blais, là. Elle a embarqué au bout avec nous autres. Puis Philippe Laprise, la même affaire. Roson, là, qui est rendu à une perle. Dominique et Martin, même affaire. Non, mais tout le monde qui venait d'ailleurs était. C'est comme si c'était du monde de Paris 7, là. C'était le fun. Puis ils comprenaient vite c'était qui le souffre-douleur des trois. C'est ça, je sais pas comment ils réussissaient à faire, mais tout d'un coup, tout le monde piquait sur moi. Je sais pas s'ils avaient reçu un mémo ou quelque chose avant de descendre. D'ailleurs, tu peux pas nous faire disparaître comme tu fais là, avec le montage et tout ça. Là, tu pourrais comme avoir un petit peu plus de paroles dans la vraie vie, je veux dire. Là. Donc, tu peux être content à Tabarouette, tu as le COVID, André. Tu as un peu de contrôle sur nous autres.
Ben moi, je n'en reviens pas qu'on a réussi à jouer le jeu aussi longtemps. Je me disais que peut-être... Ben, ben, Luc, tu ne savais pas pour vrai? Ou? Ben non, je ne savais pas, je savais pas. Ben, c'est fun, non, c'est fun, mais là, c'est ça que c'est. Mais juste pour les gens qui... À quelle heure ça se couche, des friggin' de tomates? Il va encore nous dire chips ou c'est... Mais là, dans 35 minutes qu'on parle, on n'a même pas d'invité, on sait même pas c'est quoi notre concept. Je veux dire, j'ai rien à voir, puis on est là. Hey, mesdames et messieurs, est-ce que vous voulez continuer à nous écouter? J'ai rien à voir, faudrait que j'aille là-bas, puis là, je suis comme. C'est fini, là, je vais former mes écouteurs, puis. Sortir mon papier bonne nuit. Je voulais juste dire quelque chose que. Une histoire incroyable, la deuxième en 22 ans. Il y a Yves qui m'a envoyé un message qui a dit. Yves qui? Moi, j'ai vu là qu'elle a porté. Sais-tu, je vais pas faire d'histoire, mais depuis qu'il est venu à tourner vite, depuis ce temps-là, on a une cochonnerie-là de COVID. Bon, Yves Pépétier m'a écrit aujourd'hui. Oui. Ah, name dropping! Puis il m'a dit, s'il y a des gens, parce qu'il s'excusait. Excusez, OK. Il s'excusait, il ne pouvait pas être là live avec nous. Mais il a dit. Il était pas confinement, oui. Il était pas live. J'ai manqué un bout. Yuski, il n'est pas légal, là. Moi, je le déclare. Oui, il ne pouvait pas être là. Yuski. Il y avait un autre podcast, quoi. Il y avait un show quelque part. Ah, je ne pouvais pas être là. De toutes les fois où tu ne peux pas dire cette excuse-là, c'est dans le temps du COVID. Tu ne peux pas dire, ah non, busy, grosse semaine. Déménage un chum, on est 42. Là. On va monter un net de basketball, on est 12. Okay. Juste mon équipe secondaire. Puis Sam, puis 3-4 gars de la péninsule. Tu peux, si tu veux. Si tu veux. Si tu veux. Non, mais je pensais basketball. Bon, il a dit que s'il y a des gens, parce qu'on sait, on comprend le concept, parce qu'il y a un concept, Christian, tu ne l'avais pas encore deviné après 11 épisodes qu'on fait, il y a des gens qui nous posent des questions, puis on a la chance de répondre aux questions. Fait que là, IPPT ne peut pas le faire, mais s'il y a des gens qui nous écrivent des questions tout de suite sur le fil de Facebook, là, ben nous, on va les transmettre à IPPT et on pourra les répondre. Donc, si les gens nous suivent toujours, comme vous le faites sur notre page Facebook... C'est plate! Si vous avez des questions, on pourra les passer à lui et on vous répondra plus tard. Ce qui serait comique, André, ça... Il fait sur le feu de la tête. Ouais. Je pars contre barbe, on verra. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Puis en même temps, tu pourrais faire. Ah, merci Nadine. Merci Nadine. Bon. Parce que là, moi, je suis en train de me dire que. On peut-tu mettre un dernier clip puis on finit avec ça? Ah, il y en a d'autres? Ah, ouais. Oui, il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Tu peux être là pour vrai, là. Ouais, là, essaye de ne pas remettre un même que tu as mis, mais juste avec du son. Tu as essayé de nous en passer une petite bite là. J'ai reconnu les mouvements, même lui qui les avait mis avant. Ouais, ouais. Tu peux me pas mailler n'importe quand. C'est toi qui fais le montage, man. Hey, on en avait assez beaucoup, il met le même deux fois. Hey, je savais plus, il est passé. Moi, ce qui me fait rire, c'est qu'il y a encore une équipe au bureau. Il est tout seul, il dit on en avait comme si ils sont 8 à travailler sur le projet. Il est tout seul le soir à faire ça. Ouais, ouais, t'as smiley face. Je ne mets pas bien ça en tête, là. J'ai rien fait. T'as donc des cheveux, t'as l'air. T'as vraiment, t'as des cheveux. T'as des cheveux quand t'as 50 ans. Tu te teins-tu? Hein, non. J'ai du gel. C'est bien. Hey, ma mère, là, avec le COVID, là, est rendue qu'une une affaire blanche, là. Je dis, là, laisse-toi tout blanc. Elle n'arrête pas de dire, je suis putain, là. Je suis putain. J'étais temps, mais là, je suis putain. Oh, my God. OK. Fait qu'on a regardé. Un autre petit vidéo que Yves nous avait préparé. On va regarder ça ensemble. Moi, je l'écoute pas. Non. Je vois là qui met un lama. T'as-tu écouté? T'as-tu passé, quoi? Tu es passé, André? Il y a peut-être des
Non, mais je vais former Christian parce que sinon ça me donnerait rien. C'est du fun avec lui là, dans la scène avec la famille japonaise, comme il disait. Ah oui. Ah, t'as su, t'allais me couper tout ça, j'avais compris. Mais d'ailleurs, il y a vraiment des bons bloopers avec Yves Pépétier là, qui seront dévoilés les jeudis, comme vous savez tout le temps. Là, fait que je vous invite à continuer de partager puis d'aimer les bloopers. Ça me fait chaud au cœur. Fait que voici un autre petit vidéo que Yves Pépétier nous a préparé. 74. This second for 10. Non? M'entendez-vous? Allô? Allô? Jusqu'à. Il est innocent. C'est tellement une belle bibitte, ce gars-là. C'était vraiment particulier. Je me sens vraiment choyé d'avoir travaillé avec lui. Hein. Mm. Et c'était le fun. Ceux-là qui n'ont pas vu l'épisode, ça passe quand, André? C'est mercredi. Mercredi. Ouais. C'était avec les Japonais puis tout ça. Puis il fallait comme dire des mots japonais. Puis on riait tellement. Là. Il me faisait tellement rire. Puis tu sais, il est facile à craquer. On se craquait. Puis on allait de plus en plus loin. Puis justement, tu parlais des bloopers. Je suis sûr qu'il donnera plein parce que. On a eu du fun dans le temps. Il y en a beaucoup, puis en même temps, il y a une que j'avais passé 6 minutes de bloopers, là, fait que j'ai dû couper, là, mais il y a une des scènes que j'ai vraiment trouvé belle. Moi, j'étais pas cette scène-là, c'est toi puis lui. Puis vous êtes dans le char, puis il a fini la scène, puis vous avez juste commencé à parler, dire, je me semble que c'était pas trop bon. Toi, t'as dit, ah oui, non, c'était bon. Ah, t'es sûr, il me semble que j'ai été trop long. Puis là, vous commentez juste entre les prises, mais ils ont gardé la caméra roulée. Tu sais, c'était vraiment long, c'est 1 minute, mais tu sais, t'as comme. Je me rappelle qu'il était comme il y avait un côté, j'aurais aimé ça, il posait la question parce qu'il y avait un côté un petit peu insécure dans un sens, puis il en a fait quand même pas mal. Tu sais, si tu écris la question sur Facebook, on va y répondre. On va y répondre. Moi et mon équipe. Ouais, moi et mon équipe, on va y répondre. Donc, si tu as cette question-là, mon monsieur Pelletier, on la sur Facebook et on va y répondre. Mais tu vois que c'est un grand artiste parce que c'est un éternel insatisfait. Là. Tu voyais que finissait ses prix, j'étais là, tabarnak, puis c'est bon. Ouais, mais je suis pas habitué de jouer moi-même. Puis c'est ça qui est tough aussi dans la série. On demande aux gens de jouer eux-mêmes dans des situations qui, comme nous autres, on écrit des choses qui nous est arrivées, on s'inspire de nos vies, mais comme les autres, ça leur a jamais arrivé. Fait que, tu sais, demander à Valérie Blais dans la première saison de jouer comme une prof vraiment, mais on l'appelle Valérie Blais, puis on fait vraiment comme si on a demandé à Valérie Blais de nous enseigner. Tu sais, c'est comme Yves Pépéti était comme, je fais-tu comme moi ou je fais comme un personnage qui ferait comme moi? Fait que tout le monde se pose la question que nous autres, on s'est posé avant de commencer la série des Newbies. On joue-tu nous ou on joue comme nous exagéré ou tu sais, Luc, es-tu comme Luc ou Luc, tu sais? Puis là, finalement, à mesure que tu avances, tu finis par trouver le personnage de la série. Mais tu sais, les autres, ils ont 2 jours de tournage pour trouver leur personnage. Fait ils étaient comme genre, là, fais-tu bien moi ou veux-tu que je fasse plus moi? J'étais comme, c'est parfait. Là, il était vraiment bon. T'sais. Généreux, c'est un gars généreux aussi. C'est comme si, j'aime ça parce qu'on est un petit peu de même, nous autres, tout, là. C'est peut-être pour ça que tu rencontres quelqu'un comme ça, tu fais comme, c'est comme son côté enfant, son côté à rester, tu sais, comme un cœur de c'est vraiment. Moi, j'ai vraiment trippé avec lui. C'est vraiment le fun. Ah, c'est bon. Puis, combien de fois qu'il. Excuse-moi, je voulais te couper, André. Combien de shots qu'il nous reste à faire avant qu'on puisse faire solaire? Parce que techniquement, c'est-tu quoi, ami-famille? Comme moi et Luc, on pourrait être à la même place, puis toi, André, tu pourrais être à une autre place. Non, ben, on va finir ça là. Je vous rappelle que la semaine prochaine, je ne vous dis pas c'est qui l'invité, mais c'est une comédienne, puis elle est sur l'affiche. Puis on l'a-tu déjà eu comme invité? C'est-tu quelqu'un qui revient? Non. Ah, va-tu être là, au vrai? Hey, en parlant de l'affiche, là, André, tu l'as vu, la photo de l'affiche? Oui. C'est top. Je vais essayer. Là, tu me prends un peu de cours. Là. Je vais essayer vite. C'est tellement drôle. Ah, c'est vraiment une des... Vous le savez, là, puis je pense qu'on vient on vient de faire la preuve dans ce podcast. Là, encore une fois, comment est-ce qu'en lui, on aime qu'il soit le souffle doubleur. Ouais. Même si quand on n'est pas live, on fait semblant, André, qu'on l'aime pour de vrai. Non, il faut dans le bavé. Dans la série, c'est lui qui mange toutes les claques. Ouais. Mais il a même mangé la claque... Même le vent ne l'a pas aimé, fait que c'est fucking drôle. Je ne sais pas si tu l'as vraiment. Check ça. Hey, ça, là. Ça, c'est DBF.
Fait que on aurait écrit ça puis le monde n'aurait pas cru. Tu sais, nous aurait dit sûrement en script édition, ah ben là c'est peut-être trop exagéré. Qu'est-ce qui serait les chances que vraiment le vent prenne puis qu'il arrache juste la photo d'André? Mais moi j'ai vraiment trouvé ça drôle. Puis notre bon chum JC Surette, il a même fait une photo puis il a mis sa face à la place de la mienne. Fait que j'ai trouvé ça drôle en tabarouette. Fait que c'est vraiment ça. Fait que c'est là-dessus qu'on va se terminer. On va se terminer. Ben. On va souhaiter une bonne nuit. Hey, Luc, je te laisse dire le mot de la fin, OK? Moi, je décolle, c'est toi qui dis le mot de la fin. Moi, j'aurais aimé dire à tout le monde, rêvez pas, OK? Bonne nuit tout le monde. C'est le fun. N'oubliez pas. Bonne nuit.